Tu vas bien? Plus moi que ton attaché de presse, je te préviens. Ah bon? Ils sont partis très tôt. Ils sont déjà loin. Ouais, vous n'étiez pas à l'heure au petit-déj. Hein. Non, en fait, on était à l'heure ici. Ah, il a fait faux bon. Ouais. Faites gaffe, faisons-moi. Bonjour. Bonjour. Ouais. Je vais voir avec la chimie bouchée. C'est vrai? Ouais. Bonjour. Bonjour. Tu vois, c'est. Ouais. Moi, c'est juste une histoire de réalisation. Je vais m'asseoir. Attends, donne le tuyau, Thomas. Et c'est pas tellement le temps à l'équateur qui nous a fait aujourd'hui décider de cible pas très bien et qu'on ne cerne pas très bien. Puis, dessous. D'ailleurs, encore une fois, c'est une fenêtre qui n'est pas un schéma idéal, puisque c'est une dépression orageuse, donc des modèles de source. Au départ, pas très fiable. Et on ne sait pas très fiable. Depuis 48 heures, on observe que l'ouverture qu'on avait pour partir de Brest se dégrade et qu'effectivement, dans la réalisation qu'il faut en faire en solitaire, c'est pas acceptable aujourd'hui dans les temps qu'on s'est fixé pour arriver à l'équateur. Et c'est pas tellement le temps à l'équateur qui nous a fait aujourd'hui décider de ne pas partir, c'est que la réalisation de Brest à l'équateur aujourd'hui est très complexe en solitaire et très complexe en termes de météo, en transition, et il y en a trois successives sur lesquelles il ne faut pas se rater. Et c'est vrai que l'incertitude qu'il y a quand on navigue tout seul est forcément bien supérieure à celle qu'il y a quand on est en équipage. Avec Sodebo, nous on est arrivé à Brest vendredi dernier, donc c'est vrai que ça fait qu'une semaine qu'on est là en attente, donc on peut se permettre d'être encore en attente quelques jours, voire quelques semaines, et que à ce qu'on regarde sur cette même cinématique, dans la semaine qui suit là, on a de nouveau cette fenêtre qui peut continuer à être une bonne fenêtre et qui peut être beaucoup plus facilement réalisable pour nous. Donc voilà, la décision a été prise de ne pas partir aujourd'hui pour décaler ça de quelques jours, juste pour optimiser, nous, cette réalisation. Je dirais que quelque part, dans le cadre de Banque Populaire qui vient de partir, la réalisation est quand même beaucoup plus facile, dans le sens où ils sont, je crois, 14 à bord. Et à 14, bah forcément, c'est beaucoup plus facile. Je ne suis pas déçu, non, parce que, encore une fois, moi, j'ai pas... Il y a deux mois, j'arrivais de la route de Rome, donc je ne suis pas en manque, hein, il n'y a pas de souci. On a plutôt fait, avec l'équipe technique et avec Sodebo, une sacrée gageure, c'est-à-dire enchaîner route du Rhum, tour du monde en solitaire. C'est déjà, techniquement, là, d'avoir un bateau là, c'est déjà pas mal. Non, je ne suis pas déçu parce que je sais ce qui m'attend si je pars ce matin. Donc, j'ai aucune... déception à avoir de savoir que de me retrouver dans 50 nœuds au large des Canaries avec une dépression orageuse qu'on cible pas très bien et qu'on cerne pas très bien, puis dessous, puisque moi j'arriverai pas à aller assez vite, au canalisé et donc jusqu'à l'équateur, une zone sans vent avec au final un contrat pas très intéressant parce que je dépasse les 8 jours, on peut aller jusqu'à 8 jours 20 heures. Pour le coup, ça n'a pas tellement d'intérêt ni de sens de partir ce matin. Mardi, mercredi, c'est effectivement, ça redonne une dynamique qui pourrait être meilleure. Encore une fois, c'est une fenêtre qui n'est pas un schéma idéal puisque c'est une dépression orageuse. Donc les modèles numériques ne sont pas très fiables et pas très bons sur des modèles orageux. Et c'est ça qui est très frustrant pour nous, même en tant que routeurs ou dans les routages. C'est qu'on se base pour travailler sur des sources qui sont... au départ, pas très fiable. Et on sait pas très fiable. Donc on a l'impression d'être finalement dans la même position qu'un économiste aujourd'hui pour avoir une vision du monde dans 2015. Quoi. Je rêverais d'aller voir ce bateau vu du ciel et d'aller effectivement accompagner cette superbe équipe pour les survoler au-dessus d'une des plus belles îles du monde, Ouessant.